Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Le port. 90% au moins des marchandises et des matières premières utilisées à La Réunion transitent par ces bateaux, ces quais, ces grues. Le port, c'est le poumon économique de l'île. Et pourtant, le trafic traverse en ce moment une crise. Une crise à laquelle nous ne pouvons rien. Le renversement du trafic maritime aspiré par la phénoménale croissance de la Chine. Plus de 9% contre en moyenne autour de 2% pour les pays de l'Union européenne. Conséquence, tous les regards se tournent vers l'Est. C'est une crise extrêmement sérieuse. Extrêmement sérieuse pour les industriels qui opèrent sur un marché avec des handicaps structurels qui sont connus. C'est la loi de l'offre et de la demande. Beaucoup de demandes, peu de bateaux. Exemple, il y a 18 mois, l'affrètement d'un navire de transport coûtait autour de 6 000 $ par jour. Aujourd'hui, c'est 20 000 $. Pour les entreprises réunionnaises, ces coûts deviennent trop élevés. En moyenne, le transport d'un conteneur a augmenté de 17% en quelques mois. Tant qu'on n'arrivera pas à rétablir l'équipement des armateurs, nous connaîtrons encore pendant quelques années des difficultés sérieuses dans ce domaine. Tous les armateurs sérieux, Maersk, que ce soit MSC, que ce soit la CMA-CGM, ont tous lancé des constructions de bateaux. Mais ce que je crains, c'est que ces types de bateaux qui ont des capacités considérables, qui sont de l'ordre de 10 000 conteneurs par bateau, ne soient pas aptes à desservir La Réunion. Alors on espère quand même que le fret restera. La pression actuelle s'atténuera dans 2 ou 3 ans. Quoi. Autre conséquence de la formidable croissance chinoise, une demande accrue sur le marché mondial de l'acier. Les Chinois ont besoin d'acier et là aussi, les prix s'envolent. L'augmentation de l'acier depuis 2003 a augmenté de l'ordre de 70%. Les prévisionnels sur 2005 sont pas tout à fait clairs, sachant qu'aujourd'hui le minerai de coke sur 2005 devrait augmenter tout au moins sur le premier trimestre de l'ordre de 60%, ce qui aura obligatoirement des répercussions sur les matières premières que nous consommons à La Réunion pour fabriquer tous nos produits. La Réunion utilise beaucoup d'acier, notamment dans le bâtiment. Et les prix ont réellement augmenté, à tel point qu'on pourrait bientôt revoir des charpentes en bois dans les bâtiments industriels à la place des charpentes métalliques. Si les cours se maintiennent, le coût de la construction va exploser. Nous sommes obligés d'adapter nos prix de vente en raison de cette augmentation sur les matières premières. Dans le cadre de marchés publics qui ont été attribués il y a un certain nombre de temps, c'est délicat parce qu'on n'est plus au prix du marché. Donc il faut, je pense qu'il est nécessaire de ce point de vue-là que les appels d'offres soient lancés en ayant pris en compte ces augmentations de prix sur les aciers. Et il est vrai que le client final, malheureusement, c'est lui qui en subit toutes les conséquences et doit comprendre qu'aujourd'hui, ça ne veut pas dire que les entreprises localement font des marges plus importantes, mais qu'elles ont des coûts d'achat qui sont beaucoup plus élevés et que nous sommes malheureusement dans l'obligation de les répercuter. Pour compenser cette crise aux multiples ramifications, l'ADIR préconise entre autres une aide spécifique aux intrants industriels, c'est-à-dire aux matières premières destinées à être transformées à La Réunion et donc créatrices d'emplois. On espère quand même convaincre la région de prendre en charge une partie du fret qui n'est pas très élevé malgré tout pour la région, qui serait de l'ordre pour les 10 000 emplois que représente l'ADIR. Nous avons fait quelques calculs, on est entre 15 millions d'euros ou 20 millions dans un cas de figure pour
voir un peu si 50% de ce chiffre peut être pris en charge par la région. 7 à 10 millions d'euros par an pour aider les industries locales qui créent de l'activité et de l'emploi à surmonter ce choc venu de l'extérieur. Car ce n'est pas parce que l'économie chinoise entre en ébullition qu'à La Réunion, les carottes sont cuites. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.